Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon Delta de Pokémon Insurgence. Cette fois-ci, on va s'attaquer à Delta Dodrio. Alors là, par contre, parfois on a enchaîné les Pokémon très forts. Et là, on a un autre Pokémon assez moyen comme celui d'avant. Dodrio, hein, c'est un des pires Pokémon du jeu et d'assez loin. Dodrio, donc du coup, c'est un Pokémon de type Normal Evolve de la première génération. C'est l'évolution de Dodrio, qui est un Pokémon extrêmement mauvais en stratégie. Vous pouvez regarder les stats, c'est vraiment pas top. Et là, ils lui ont donné le type Psy pur. Je sais pas trop pourquoi. Regardez la tête du truc, peut-être parce que les têtes deviennent folles, je sais pas. Le type Psy pur, c'est pas terrible en stratégie hein, non plus. Hein, du coup, c'est presque pire que son type qu'il avait à la base. Ça lui apporte pas beaucoup de résistance, surtout plus de faiblesses gênantes, à part peut-être celle au type insecte en aventure. Et le problème, il est pas du tout orienté dans son type avec ses stats tout court. Puisqu'il a une attaque spéciale de merde, de 60, 110 en attaque. Mais le problème, c'est que il a plus une orientation de Moogpool, notamment par rapport au type orienté spécial. Le type 6, c'est principalement spécial, pas physique. Son meilleur stat physique, ça va être donc Zenith Bud, donc c'est vraiment pas le mieux. Et il peut pas utiliser son attaque spéciale. Il a 100 speed, oui, mais à côté, on rappelle que le bulk c'est 60, 70, 60, donc c'est vraiment pas top. Alors, il est rapide, oui, mais encore une fois, y a rien qui va accompagner et aider ce Pokémon à vraiment adapter ce qu'il possède quoi, en termes de stats. Ouais, et au niveau du Moogpool, hein, il a quasiment principalement des coverages spéciaux. Psycho, Tonnerre, Explo Force, Energy Ball. Ça c'est que il a plein d'initiatives. Ouais, c'est vraiment du troll ce Pokémon pour le coup. C'était pour dire qu'on en avait. On avait fait un troll de plus. On aura essayé. Ils auraient pu essayer de le rendre meilleur en vrai, hein, parce que Dodrion, c'est ce que c'est. Bon, il a Dridron. Il a sabotage, ouais. Bon. De pauvres capacités qui se battent en duel, évidemment, ça ne suffit pas. Donc ce Pokémon est nul, voilà, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Au niveau des talents, il a quoi quand même? Alors il a Calque qui copie un talent adverse, donc ça dépend des fois, en aventure c'est pas ouf. Cop on Ice qui augmente sa précision, mais ça profite de quoi? Je sais pas trop. Peut-être de Zenith Bot. Ah non, c'est pour Hypnose. Ah, Hypnose avec Cop on Ice peut-être? Il peut faire un petit slipper, ouais, vu sa vitesse. Bon, ça s'arrête là, vraiment. Et il a Psychocol en talent caché qui boost son stat psy. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Bon, sans intérêt, ce Pokémon. Je pense que c'était laissé à ne pas faire, on va dire ça comme ça. Il en faut pour tous les goûts, hein. Si vous le trouvez marrant, essayez de le jouer, mais moi, pour ma part, sans façon. Bon, voilà. Ce sera ça donc pour cette vidéo, elle fut courte parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais peut-être qu'il y aura plus de choses à dire sur le Pokémon suivant. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour continuer à analyser les Pokémon Delta de Pokémon Insurgence assez rapidement encore une fois, c'est juste des petites analyses comme ça. Merci beaucoup encore une fois et à très vite. Ciao.